Wow! C'est que ça? Je pense que je vois une étoile filante. Hmm. Elle était où? Genre à gauche ou à droite de la grande ours, mettons? Tu sais, juste à gauche, là, ça va vers la droite. Mais non, mais c'est pas une étoile filante, ça, c'est un satellite. T'es chaud, hein? Ça va bien plus vite que ça, une étoile filante. Ça avait l'air d'aller vite. Le juge pas, t'inquiète, là. Est-ce qu'il y en a des étoiles pareilles, hein, genre... Je sais pas, c'est buzzant quel point qu'il y en a. Mm. Pour ça que j'aime ça venir ici. Y a rien qui bloque notre vue en ce moment, t'sais. Live, là, y a legit rien entre nous et les étoiles. Moi, il y a un lac derrière chez nous où j'habite. Des fois, j'aime ça, je prends le pédalo, je vais m'en vais au milieu du lac. Je me couche sur le dos, puis je regarde le ciel. Puis je me demande qu'est-ce qui pourrait se passer à cet exact moment-là sur une autre planète. Non, je sais pas, ça m'hypnotise, je pense à ça. Tu sais, c'est fucked up quand même quand on y pense. Là. Genre, la galaxie la plus proche de nous autres, c'est Andromède, OK? Ça, c'était genre 2 millions d'années-lumière de nous autres. C'est fucking loin. Ouais, si les extraterrestres existent, il n'y a pas grand-chance qu'on les rencontre. Ouais. Tant mieux, ils viendront pas nous gonner. Ah non, non, ça gosse, je trouve. On dirait que dans la tête du monde, les extraterrestres sont rien que méchants puis qu'ils veulent tous nous tuer, mais on n'est pas mieux, là. On s'entraîne ça, nous autres. De toute façon, il me semble qu'il faudrait qu'on commence par gérer nos problèmes ici avant d'en chercher ailleurs. Non, non. C'est sûr qu'il n'y a aucune forme de vie extraterrestre qui serait dans de devenir nos amis, genre. Personne n'est dans de chiller avec Hitler, Ben Laden, Ted Bundy. Ah, non, en effet. Je pensais à ça l'autre jour, puis j'ai peut-être une petite théorie, genre. Une théorie sur pourquoi ils viennent pas nous voir? Non, sur tout, genre. Je sais pas, t'sais, les humains en général, je sais pas pourquoi je te dis ça, en fait, ça a vraiment pas rapport. Mais non, vas-y, je t'écoute. T'sais, les humains en général, on pense qu'on est plus évolué ou plus intelligent que les animaux parce qu'on a une conscience. T'sais, c'est absurde, pareil, là. On se considère nous autres mêmes comme une forme de vie intelligente. Tu sais, on pense vraiment que le fait qu'on réfléchisse pis tout, c'est comme si c'était une qualité. On valorise full le fait de réfléchir puis de se remettre en question pour trouver un sens à notre vie. Mais, je sais pas, imagine si c'était pas une qualité, ça. C'était plus comme un défaut, une faiblesse. Check. Mettons, garde ça de même. Les humains, on s'est posé toutes ces questions-là. Puis, logiquement, ben, quand il y a une question, faut qu'il y ait une réponse, tu sais. Ouais. Mais là, où tout chie, c'est que personne n'a la fucking réponse de pourquoi on est là, tu sais. Genre, on sait rien. Je sais pas, j'ai juste l'impression que c'est comme si on était pas programmé pour comprendre certaines affaires, comme s'il nous manquait quelque chose, tu sais. Je sais pas, moi je me demande en quoi qu'on est si intelligent, ça. Ouais. Ouais, mais non, tu sais, mettons, là, c'est pas parce qu'on comprend pas le langage des animaux qu'ils se posent pas de questions. T'sais. Moi, je parle pas le russe, là. Ben ça fait pas de moi quelqu'un de moins intelligent qu'un russe. Tu sais, c'est fou, les humains, là, avec la science, on est capable d'expliquer des réactions moléculaires, de comprendre les phénomènes naturels, de tout ça. Mais dans le sens que notre intelligence, c'est aussi notre capacité à apprendre de nouvelles affaires. Oui, c'est exactement ça. Notre intelligence est juste différente. Pourquoi
on a inventé les microscopes. À quoi ça sert de faire ça? Ben, ça sert à voir des affaires qu'on serait pas capable de voir à l'œil nu. OK. Puis pourquoi on veut voir ces affaires-là? Ben, pour comprendre. C'est ça, pour comprendre. Tu sais, je sais pas, je suis pas en train de dire que les animaux, c'est des deux pics et whatever, là. Loin de là, mais... Genre, je sais pas, les recherches sur l'univers, puis je sais pas, l'espace, tout ça, c'est pas une baleine à bosse qui pense à ça, ça. C'est un doute. C'est purement humain comme comportement. Fait que, je sais pas, si les animaux cherchent pas à comprendre, c'est peut-être parce qu'ils ont déjà la réponse. Si une réponse est évidente, mais t'as même pas besoin de te poser la question. T'sais. C'est simple, tu fais juste vivre, respirer là, maintenant, dans le fucking instant présent. Ben, je sais pas, là, j'ai juste l'impression qu'on est seul fuck à exister sans comprendre pourquoi. Mais non, mais c'est sûr que s'il y a d'autres formes de vie quelque part, ils se posent des questions, ils ont tout ça, là. Moi, ma théorie, c'est que en ce moment, on est à un stade de l'évolution humaine où on n'est pas capable de tout comprendre, mais qu'à un moment donné, on va l'être. Un peu comme quand tu comprends quelque chose en vieillissant, tu sais. Puis, peut-être que les animaux, eux, ils l'ont déjà atteint, cet équilibre-là. Eux, sont chill, ils l'ont déjà... Ah oui, OK, ouais. Ouais, on dit la même affaire. C'est la même affaire. Ouais, c'est ça. Mais, peut-être qu'en fait, en ce moment, on est juste coupé du reste de l'univers parce que on doit apprendre à vivre ensemble. Tu sais, peut-être que quand on va tous mourir, ça va être une genre d'évolution vers de quoi d'autre. Peut-être que c'est un cycle, dans le fond, c'est comme la mode, comme les saisons, comme l'humanité. T'sais. Les civilisations tombent, puis renaissent. Ouais, tu sais que c'est incroyable ce que tu viens de dire? Ouais, hein? Ouais. Ouais, mais en attendant, on a fucking de stock à apprendre, puis on n'est pas bien parti. Hein. Peut-être qu'il faut juste, je sais pas, essayer d'être bien, puis de profiter du moment présent. Je sais pas, c'est tough à être bien. Genre, moi, je m'identifie zéro au monde en ce moment. Fait que, ça t'est jamais arrivé de te sentir... chez vous, quelque part, genre, mettons d'avoir l'impression que tu appartiens vraiment à un endroit. Un endroit, non. Quand je suis sur l'eau, par exemple, c'est comme si j'étais seul au monde. Je pense plus à rien, j'ai plus de problème. Comme si le temps s'arrêtait autour de moi. C'est pour ça que t'es venu ici? Non. Ok, fait que toi tu t'es juste dit « Ah, moi je vais aller passer un été dans une marina, ça va être le fun. » Compliqué. Toi? Moi je sais pas trop non plus en fait là. Je pense que... C'est rare que je me sente vraiment à ma place aussi. Ben, je... Quoi? Ben, sauf quand je travaille sur mes toiles, là, mais c'est pas vraiment un endroit. Tu peins-tu? Que... Non, je peins! Mais ouais, j'aime ça peindre des paysages qui marquent ma vie, genre. Mais tu sais, c'est vraiment un passe-temps, là. Je serais gagné pas ma vie avec ça. Ben, tu devrais essayer d'en exposer, là, voir moi ce que le monde en pense. Mais non, t'es malade, là. C'est pas de calibre à être exposé, ce que je fais. Pourquoi? Ça se peut qu'il y ait du monde qui tripe bien raide ce que tu fais, là. Non, mais je fais ça pour moi, pas pour les autres, de toute façon. Moi, je pense que t'as peur de ce que les autres vont penser de toi. Mais là, oui, j'ai peur, c'est sûr que j'ai peur. C'est épeurant aussi, là. Montrer ça, c'est comme me montrer moi, fait que... Oui, mais c'est ça que le monde veut. Savoir quitter, qui se cache derrière les œuvres, connaître les personnes qui les font sentir bien, je sais pas. Ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis, de toute façon, tant que je peindrai pas les prochaines nymphéas, ça va rester un passe-temps.
j'imagine qu'il faut pas penser à ça. Quand on fait ce qu'on aime et qu'on travaille fort, ben, l'argent, c'est rien après. Mais c'est tough de pas penser à ça. Tu sais, le struggle numéro un d'un adulte, là, c'est subvenir à ses besoins. Hey, c'est grave, là, ça va loin, tout ça. J'espère juste qu'à un moment donné, il y a une gang d'extraterrestres qui ont débarqué pour, genre, péter la bulle dans laquelle on vit, puis nous rappeler que, tu sais, tout ça, là, ici, c'est plus complexe que le fucking capitalisme. Oui. Merci, fuck! Genre, tu sais, le monde, ben, on parle toujours d'argent, tu sais, que je viens juste d'en parler, ouais. Là, genre, tu sais, je sais, c'est normal, c'est important, puis le monde veut être bien, puis tout, mais genre, je sais pas, là, c'est rare que j'ai une conversation puis que le mot argent vient pas au moins une fois. T'sais. Ouais. C'est lourd, là, c'est comme un guide spirituel. Même quand on s'en rend pas compte, à peu près toutes nos décisions, c'est en fonction de si ça va rapporter du cash ou pas. C'est fucking déprimant. Hey, serais-tu dans qu'on fasse un deal? Genre, on se promet qu'on parlera plus jamais d'argent. Puis que ça va plus jamais influencer nos décisions. Plus jamais. Plus jamais? Jamais. OK, je suis down. Je suis down, deal. Deal. Fait que là, c'est-tu le moment où on se crisse à poil puis on starte une révolution? Exact! Oui! Yes! À l'anarchie! À l'anarchie! T'as-tu la bière? Oui, j'ai...